Pour l'occasion, c'est la cour de la mairie de la capitale du Hambol qui a accueilli la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination dans le district sanitaire de Katiola. À l'instar des précédentes étapes, les populations de Katiola se sont rendues en grand nombre pour recevoir leur dose de vaccin contre la fièvre typhoïde. Je suis là pour la vaccination contre la fièvre typhoïde, voilà, initiée par Madame la Première Dame. Je suis très heureuse d'avoir cette occasion de faire vacciner nos enfants gratuitement. Cette étape a permis notamment aux médecins de mettre l'accent sur la sensibilisation à travers une séance de démonstration de lavage des mains. Le docteur Son Jérôme, chef de projet de la Fondation Children of Africa, a profité de cette cérémonie pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'adopter une hygiène de vie. Quelqu'un qui vient du WC, il lave ça. Quelqu'un qui veut manger, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui veut manger, il lave ça. S'il ne fait pas ça, qu'est-ce qui peut lui arriver? La fièvre typhoïde. Est-ce que vous voulez avoir la fièvre typhoïde? Le nombre de doses est passé de 1750 à 2000 doses pour la commune de Katiola. Le docteur Diarasuba Souleymane, directeur régional de la santé de la région de Hambol, a dressé un tableau sombre de l'impact de la fièvre typhoïde sur les populations de la région. Selon ce dernier, en 2013, ce sont 2521 cas de fièvre typhoïde qui ont été enregistrés dans le Hambol. Et pour la seule commune de Katiola, 1175 cas de maladie. Une situation qui l'amène à tirer la sonnette d'alarme. Fort heureusement, selon le docteur Diarasuba, l'organisation de la campagne de vaccination gratuite de Children of Africa, initiée par sa présidente fondatrice, Madame Dominique Ouattara, constitue une réelle opportunité pour les populations. Une initiative louable qui permet de satisfaire un besoin réel de santé publique en contribuant à l'amélioration de la santé des populations de Katiola et de la région du Hambol. Kone Moussa, deuxième adjoint au maire de Katiola, a tenu également à remercier Madame Dominique Ouattara pour cette opération de vaccination.